Et bonjour à tous, c'est Arxon, on se retrouve tout simplement pour le résultat du concours GFX. Donc on va voir tout simplement qui c'est qui a gagné et tous les participants. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, en premier, on a donc Léo hein, qui tout simplement a fait deux petits logos. On a d'abord le premier qui a un style là, un peu bleu. Bon, le style est pas très. Il n'y a pas grand chose. En soit, l'écriture est pas mauvaise. Voilà, donc j'ai fait vraiment un descriptif de tous les logos pour bien bien définir. Il en a fait un autre pour moi beaucoup moins à mon goût parce que l'écriture est assez moche, le fond pareil. Je préfère encore le premier, c'est juste qu'il manquait pas mal de choses dans le logo et c'était un peu vide, donc voilà. Et je vais aussi donner un thème pour à peu près tout GFX, c'était un thème dark et finesse environ, parce que moi j'aime bien ce thème là plutôt, et si possible redstone. Mais bon, j'ai déjà mis ce dark finesse en premier et lui du coup il n'a pas trop respecté, donc c'est pas grave. On laisse ça. Donc, ensuite, attendez le temps que ça passe. Voilà. On a donc Modeli qui est simplement a fait le premier logo qu'il a fait. C'était un logo pas du tout pour mon style. En soi, il a mis mon skin. Il a essayé de faire quelque chose avec. Il a mis un fond très trop coloré. Beaucoup trop. On a l'impression que je suis un PD quand on regarde ça. Donc voilà, de Modeli. Ensuite, du coup, il a fait d'autres logos, je crois. Voilà, suite. Alors, ensuite là, c'était déjà beaucoup mieux. Je lui ai donné le thème Dark Finesse. Il a assez bien réussi, je trouve. Parce que vous pouvez voir que du coup, il y a mon pseudo qui est en bas. Ah, c'est une couleur assez rouge redstone, ce que j'adore. Moi. Un fond qui est un peu trop vide. On voit pas du tout ce que c'est. Il y a un petit truc noir, mais on sait pas du tout. Les petites ondulations sur les côtés sont très belles pour moi. Nickel, rien à dire là-dessus. Et une très très bonne idée de sa part, c'est avoir mis une épée noire. Ça, dès que j'ai vu, j'ai kiffé à mort. Ensuite, il a fait à peu près la même chose, mais comment dire, un peu plus foufou. Voilà, vous voyez. Il a fait exactement la même chose, mais avec deux épées. Moi, en train de sauter, bon, un peu n'importe quoi. Il a enlevé un petit fond qui était dans le noir, donc c'est un truc vraiment tout lisse. Je trouve pas ça très très bien, personnellement. Le thème est respecté, mais on pourrait faire mieux. Alors, du coup, je continue. Parce qu'en fait, quand je mets pause au moment que je veux, en fait. Donc après, il faut que c'est bien. Ensuite, on a donc Cruzeco, un bon GFX pour moi parce qu'il est un peu écarté du lot. Il a fait simplement un logo style un peu vert, un peu Left 4 Dead, ce qui est assez style. Il a trouvé aussi une forme, ce qui est très, c'est très bien démarqué tout en étant que ça soit joli. Les petites, les petits effets de lumière qu'il y a sur la miniature sont très bien. Les fonds, au final, le logo est tellement grand que ce qui est en fond, c'est pas très important limite. Enfin, c'est pas grave s'il n'y a pas grand chose, c'est ça que je veux dire. Voilà, ensuite il a fait du coup exactement la même, mais en bannière. Voilà, vous la voyez. Avec Erx Basico, voilà. Ensuite, nous avons donc Omenia, qui lui a fait en premier logo, d'ailleurs c'est le seul qui l'a fait celui-là. Un truc un peu avec de la redstone, un petit peu, ouais, c'est assez sympa, c'est vrai, mais je trouve pas que ça fait un bon logo pour moi. Un peu trop simple, beaucoup trop simple. Il n'y a pas vraiment trop de choses. Ensuite, on a directement The Main qui a un très très gros GG à lui. Il a quand même réussi à oublier une lettre de mon solo. Très 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 fort là-dessus. En soi, je suis assez bien représenté. Les couleurs sont assez vives. En même temps, il y a du bleu, ce que j'aime bien. J'adore le bleu. Un petit plus pour plus tard. Et mais je trouvais pas un thème ni dark ni. Voilà. Je trouvais pas vraiment les thèmes. Mais en soi, il a quand même bien géré. Hein. Il a quand même bien fait. Ensuite, nous avons Eclixt, ou Poulard, un peu chaud à dire. Alors, lui, je précise, c'est le vainqueur, mais c'est pas avec cette miniature avec le logo là, c'est le logo d'après, vous allez voir tout de suite. Alors, il a fait le premier logo, c'était un logo, le premier logo qu'il a fait. Je vais peut-être pas dire le thème dès le début, donc il a fait ça. On voit que le petit pseudo de mon logo à droite, de sur mon bras, en soi, c'est assez bien, le problème c'est qu'il est un peu trop petit. Une bonne idée par contre, parce que c'est un logo, c'est pas une bannière, on va pas le voir en grand sur la machine, on va même pas le voir le petit truc Erx. Voilà, en soi c'est quand même une bannière assez simple, le fond est très simple, c'est une forêt avec un petit soleil. On peut très bien retrouver ça sur l'autre, attendez, je sais pas si je peux revenir. Attendez. Voilà, on retrouve à peu près la même chose dessus, quasiment au niveau du fond. Parce que quand même, The Main avait des meilleures idées. Enfin, c'était un peu plus vif. Et ensuite, on continue du coup.
avec pour moi le meilleur logo. Si on wallpaper, donc j'ai à lui tout, voilà, imprononçable ce pseudo, qui a gagné bon, parce qu'il a le mon pseudo est très très bien écrit. J'aime bien ce, comment on dit déjà? Ah merde, comment c'est écrit? La police, voilà. J'aime bien la police. Le fait qu'il y ait deux épées en fer est en soi assez sympa. J'adore le fond, c'est surtout le fond qui a fait tout le truc. Parce que le fait qu'il y ait de la lave avec dans un biome de glace avec un peu de stone, c'est vraiment magnifique. C'est très très beau. Sans oublier que c'est un peu, comment dire, c'est très bien fait, c'est très bien pixelisé. C'est presque de l'HD quasiment. Donc voilà, c'est très très un très beau GG à lui parce que du coup ça va être lui mon GFX. Donc voilà, évidemment il aura droit à la pub et tout le trollolol. On va essayer de voir avec, il fait aussi une miniature, voilà. Donc nous arrivons du coup à la fin de cette vidéo. Voilà, donc là du coup je vais mettre mon intro. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de toute façon c'est le résultat du concours. Donc clique, j'ai un gros GG à toi. C'était mon GFX, allez. J'aurais bien voulu l'avoir en avec Skype en même temps de faire la vidéo, mais j'ai pas pu, désolé. Il a pas trop répondu, mais je vais lui dire juste après cette vidéo qu'il a gagné. Donc on se retrouve dans simplement une autre vidéo, je pense que c'est une vidéo en ultra hardcore, ou soit dans FeedTheBeast, parce que ce temps-ci je suis assez dessus. Donc je vais bien voir, de toute façon, allez, à plus.